Les véritables sentiments de la reine envers le football ont été révélés par l'ancien président de la FIFA Sepp Blatter avant les championnats de l'Euro 2020. Le duc de Cambridge encouragera seul l'Angleterre à Wembley lors du match de demi-finale de l'Euro 2020 contre le Danemark. Ce soir, le prince William, qui est le président de la Football Association, regardera les Trois Lions tenter d'atteindre leur première finale de tournoi majeur depuis leur victoire en Coupe du Monde en 1966. Il a écrit sur Twitter qu'il ne pouvait pas attendre le grand match, faisant l'éloge de la victoire 4-0 de l'Angleterre sur l'Ukraine samedi. Il a tweeté, une autre performance d'équipe de haut niveau et une feuille blanche de l'Angleterre ce soir croisillon Sri Lion. Bien joué contre l'Ukraine. J'attends avec impatience la demi-finale de mercredi. En avant W. Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont également souhaité bonne chance à l'Angleterre pour le match de ce soir, partageant une vidéo du groupe des Coldstream Guards jouant à Football is Coming Home sur leur compte de médias sociaux. La reine Elisabeth II n'a pas encore commenté le match, alors que l'amour du monarque pour le polo et le rugby est bien connu, on ne sait pas si elle aime le football. Dans son autobiographie de 2016, Mission et Passion Football, Sepp Blatter, l'ancien président en disgrâce de la FIFA, a cependant compilé une liste des 10 chefs d'État les plus experts en football. La reine s'est classée 5e, battant l'ancien premier ministre italien et propriétaire de l'AC Milan Silvio Berlusconi. Monsieur Berlusconi a supervisé 5 des 7 victoires de Milan en Ligue des Champions depuis qu'il a repris les Rossoneri en 1986. Cependant, Monsieur Blatter a affirmé que la capacité de la reine à le reconnaître lors d'une réception au palais de Buckingham en 2004 dans le cadre des célébrations du centenaire de la FIFA, l'a placée au-dessus de l'Italien controversé. L'ex-président de la FIFA a déclaré à Sky Sport News sa rencontre avec la reine, « Elle m'a vu et m'a dit, je te connais, tu es l'homme du football. C'est une grande dame, une dame prête. » Lors d'un discours à la Chambre des communes, l'ancien leader travailliste Jeremy Corbyn, lui-même fan des Gunners et député du club, a rappelé à quel point un mal de dos empêchait le monarque d'ouvrir son Emirates Stadium en 2006. Il a ajouté, « Maintenant, nous savons que la reine est absolument au-dessus de la politique. Elle est peut-être aussi au-dessus du football, mais de nombreux habitants ont cette opinion assez secrète qu'elle est en fait, en privé, une gooner. Ce n'était pas la première fois que la reine soutenait Arsenal, l'ancien milieu de terrain du club, Cesc Fabregas, révélant qu'elle lui avait dit qu'elle était une fan lors d'une réception à Buckingham Palace. Elle aurait plus tard hérité du virus de sa mère et l'aurait apparemment transmis à ses enfants. En 2015, le prince Harry a révélé, la plupart des membres de la famille royale sont des fans des Arsenal.